Salut les filles, aujourd'hui je vous présente un tout nouveau masque donc avec ce que vous avez dans la cuisine, donc à base de bananes, d'œufs, de yaourt à boire et de miel tout simplement. Donc j'avais déjà parlé de la banane sur le groupe et j'avais redonné un deuxième challenge. Donc la première fois c'était l'avocat et aujourd'hui je vais tenter la banane. Donc j'en ai pris deux étant donné qu'on va récupérer juste les tours de la banane et pas l'intérieur, le centre. Donc on va un peu trier et récupérer ce qui n'est pas collant, gluant au milieu parce que ça va coller aux cheveux. Donc voilà pourquoi j'en ai pris deux, tout du moins pour ma longueur. Donc après c'est à vous de gérer si vous en prenez une seule ou deux. Donc je vais les éplucher. Je vais les couper en 3-4 parties. Voilà. Et donc on va récupérer donc pas ce qui se trouve ici. Parce qu'ici justement c'est ce qui colle. Donc on va récupérer vraiment le tour et faire de fines lamelles. Donc à peu près de cette épaisseur-là. Pour éviter donc justement d'avoir cette partie qui se trouve au milieu qui est collante. Et donc on va faire ça avec tous les morceaux de banane. Donc le reste on va récupérer pour le manger, évidemment. On va pas gâcher. Même si j'aime pas trop la banane mûre, personnellement je préfère la banane verte. Donc même si il y a des morceaux noirs parce que c'est trop mûr, donc évidemment vous prenez des bananes mûres, ça sert à rien de prendre des bananes vertes, c'est pas grave, c'est pas un problème. Donc ce que je vais faire, c'est que sur le blog, je vais faire un article qui concerne cette vidéo. Et je vais vous parler de chacun des ingrédients et de leur importance dans ce masque. Donc qu'est-ce qu'ils apportent aux cheveux. Et vous faire quelques photos et vous donner mon avis général sur ce masque. Et si je le referai ou pas. A priori, bon, il a l'air pas mal, mais bon, on verra bien. Ce que donne la banane sur mes cheveux, vu que c'est une première pour moi. Et voilà, j'essaie de vous proposer des recettes que tout le monde peut faire, parce qu'à chaque fois, je parle beaucoup d'Aromazone et que bah, tout le monde ne peut pas commander. Donc, j'essaie de trouver des petites astuces pour vous qui puissent vous servir à la maison. Donc, j'ai à peu près cette quantité. Donc, je vais tout écraser en purée en faisant attention de ne pas laisser de morceaux. Bon, le top, c'est un mixeur, parce que le mixeur va vraiment ne laisser aucun morceau, quoi. Mais bon, j'en ai pas, donc je vais faire avec. On fait à la main, système D. Bon, je pense que niveau quantité, pour ma longueur, c'est pas mal. Donc si vous avez les cheveux mi-longs ou courts, peut-être qu'une banane, ça suffira.
Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il va rester des morceaux, hein. Vu comment j'écrase, ça passe à chaque fois à travers les pics de la fourchette, donc c'est pas terrible. Mais bon, on verra bien. Alors, je vais ajouter du miel. Donc moi, je prends la marque Lune de Miel parce que c'est écologique et économique, c'est écrit dessus. Je relève un petit peu, sinon vous n'allez rien voir. Donc je vais en mettre, allez, 2 cuillères à soupe. Je pense que ça va être un masque quand même assez liquide parce que pourtant le miel est assez quand même gluant, épais et c'est pas terrible comme vous voyez, c'est vraiment quand même liquide et vous pouvez aussi constater les petits morceaux sympas. Bon, pour le moment, je suis pas très conquise quant à l'aspect du masque parce que ben, c'est vrai que c'est très liquide donc ça va pas être facile à mettre et ça risque de dégouliner, c'est ça que je vais adorer. Mais c'est pas grave, on va quand même tenter. Si ça tombe, ça va être une super expérience. Donc je vais mettre un œuf entier, le blanc et le jaune. J'ai l'impression de faire une omelette, là. C'est ça qui est génial. Une omelette banane et miel. Qui me suit? Laissez-moi vous dire que c'est on ne peut plus liquide. C'est ça qui est génial. Excusez-moi, j'ai mon petit cache qui s'est enlevé sur l'appareil photo. Voilà, ce sera mieux. Ce sera déjà un peu plus stable. Et je vais donc rajouter un yaourt à boire liquide. Donc bon, là c'est à la fraise, mais peu importe, vous choisissez ce que vous voulez. Je vais déjà mettre la moitié pour voir ce que ça donne. Ça va, l'odeur est sympa, un mélange banane, miel et fraise, c'est pas mal, c'est sympa. Bon allez, soyons fous, on va tout mettre. Si bien on peut pas faire plus liquide, alors un peu de plus, un peu de moins, on verra bien. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on voit moins les morceaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donc mouiller mes cheveux à l'eau. À l'eau évidemment, pas à l'huile. Excusez-moi. Je vais essorer mes cheveux avec une serviette. Donc je vais faire en sorte qu'ils soient le moins mouillés possible, donc humides. Et je vais appliquer le masque. Donc je vais mettre la totalité de celui-ci. Et je vais vraiment essorer un maximum le surplus du masque pour éviter que ça coule sur le visage et le cou. Et si ça ne suffit pas, je vais entourer mes cheveux d'essuie-tout et de cellophane si c'est vraiment nécessaire. Donc je vous ferai des photos et je vous dirai un petit peu comment ça s'est passé. Je vais sans doute le laisser poser 3 heures, je pense. 2-3 heures, grand maximum. Et puis ben, on verra bien ce que ça donne. Donc je vous ferai un bilan et puis je ferai donc un article sur le blog. Donc surtout, je vais mettre en dessous de la vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer et à venir poser vos questions sur le blog ou autre. Il n'y a pas de souci, je serai vraiment ravie d'y répondre. Donc voilà pour l'aspect final du masque. Donc c'est vraiment très liquide, c'est pas, ça va pas être top, mais bon, on verra bien.
Pour moi, j'ai pas d'avis, donc on verra bien ça. Donc bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à demain dans la journée, voire au soir, pour avoir des nouvelles du masque. Voilà, à bientôt les filles, salut!